pays ça a il y a trop corps qui rentrer là-dedans tout pour que l'heure où arriver dans question sécurité ce dont nous allons parler de lui eh bien des équipements qui pour acheter des frais pour les policiers yo eh bien ouais jusqu'à présent eh bien c'est un premier ministre qui a bailli dans moment ça qui a bailli 16 machines à la police alors que pour le moment c'est pas machine ça yo que policiers ont besoin pour résoudre le problème là. Hein? Ça, policiers ont besoin. La police a besoin d'hélicoptères. Ils ont besoin de blindés. Qui vont attaquer les questions que nous avons là. Ce n'est pas machine, justement, qui a déplacé en temps normal. Moi, je crois que je dis à si on l'ordre qui mettait, non seulement il y a quoi pour l'éducation, mais il y a des quoi qui a permettre que. Justement, l'État dégage un budget spécial pour la police. Et nous toujours montrer dans la conférence de présidents, concordance qu'il y a entre gaspillage là et travail qui n'a pas fait. Nous sommes gaspillage au niveau de l'éducation, mais en même temps, nous remarquons que la police là n'a pas d'équipement. Et je dis à, au niveau de la police là, comme deuxième partie, nous dit. Un bon petit mot pour le chef de police là qui commençait à faire certains efforts, mais que nous remarquons qu'il y a un pile de problèmes qu'il a toujours. Effort que la police a fait à nous dit, eh bien, semaine dernière, il y a des efforts qui ne peuvent pas agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous n'avons pas attaqué directement gang yo. Que ce soit Katsamaozo, que ce soit gang qui sont matissant la ville là, ils n'ont pas attaqué yo. Eh bien, c'est à côté, il y a pas attaqué. Et pendant ce temps, il y a même eu un temps pour y consolider. Il y a consolidé, puisque je dis, il y a des côtés pour passer, il faut payer. Il y a des business, il faut payer. Donc, l'on élimine deux, ça va vite faire, qu'il y a 10 lots encore qui paraissent. Donc, je dis, malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef de police, là, nous croyons que gagner en pile action qui doit être faite pour que nous résoudre le problème. Ça. Action qui doit être faite, c'est que ou pas qu'à une situation ça puis on va dégager un budget spécial pour la police là. Bon travail qui fait dans la police là, quand ils mettre l'ordre par rapport à policier qui pas là. Mais malheureusement ça que visé à n'est pas arrivé. Eh bien moi crois que Godoué a un budget spécial pour la police là. Un budget pour équipement yo. Et équipement que la police besoin, c'est pas deux trois petites machines que États-Unis ou Taïwan a fait cadeau. Même j'ai un certain pays dans la zone que nous, El Salvador, qui a des problèmes de sécurité, pays a dégagé un budget spécial pour acheter pour la police, la protéger et bien, la population. Moi, je crois que je dis, si on a un budget spécial, il faut lâcher équipement. Un budget spécial pour frais pour les policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui ont affronté, ils ont un droit à un frais spécial. Et également pour la formation. Parce que je dis à les policiers que nous avons là, il faut une formation appropriée pour attaquer les gangs. Moi, je connais que le chef de la police a déjà des recrutements qui ont fait au niveau de policiers pour avoir une formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà. Et pendant qu'il a fait formation pour préparer des policiers pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire l'autre formation de un recrutement massif qui va permettre que vous remplacez les policiers qui ont même pour aller dans une unité spéciale. Parce que actuellement, je ne dis pas la dernière fois, si au niveau théorique, dit la police, il y a 14 000 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous gagnions, qui fait que je dis à nous pas gagner exactement le nombre de policiers qui ont gagné. Donc, dans ce sens, nous croyons. Au niveau sécurité, nous disons un mot pour DG et c'est un pile policier qui a fait effort, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, puisque faut nous attaquer le problème là en gros. Et c'est peut-être ça, nous demandons des budgets spéciaux là. Nous demandons des équipements appropriés. Ce n'est pas le moment pour y avoir des machines simples pour la police. C'est le moment pour nous gagner blindés, pour nous gagner hélicoptères, pour nous gagner gilets pare-balles, pour nous gagner bon combat boots, bon casse. Pour que la police là en état pour que lui mette fin à la question insécurité. Et je dis à moi que
faut yo bay la police autonomie. Gon décret en mai 2020 que on a arrêté, excusez que Jovenel Moïse te prend, qui était retiré eh bien autorité que la loi bay chef police là pour l'obé directeur départemental pour faire des changements, il était confié plutôt à CSPN nan, et je dis à moi quoi que CSPN nan ba ni en odeur de cet été pour que li joue rôle ça. D'ailleurs, c'est pas rôle li nan loi, CSPN nan rôle stratégique, mais vinn ba un rôle tactique pour le di mot nan commandant département, c'est permettre à ce que nèg vinn faire politique en dedans commissariat yo. Là que on commandant département que la police a jugé qui était fait travail là, CSPN nan ka bloqué pour mettre un monde qui fait politique. Et me pense que je dis à non seulement au niveau matériel, au niveau frais pour les policiers, mais au niveau légal, gon arrêté qui était illégal, qui était confié en rôle à CSPN dans quel pas de gagner. Je dis à moi parce que faut retirer pour que l'état-major de la police a gagné l'attitude pour que le fait travailler et payer bête. Non seulement que le fait travailler, il fait déplacer les policiers qui doivent déplacer, mais ils font vetting tout, puisque nous connaissons quand c'est de la police. Malheureusement, il n'y a pas en pile, mais il y a des policiers qui entrent dans le gang. Ce n'est pas la majorité, mais il faut que le chef de police a également fait vetting sur ça.